Et non les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo les amis, vidéo food. Je vais vous présenter aujourd'hui, on va dire, tous les menus, les restaurants qu'il y a ici, sauf le Lucky parce que vous le connaissez bien. On va faire Hyperion, on va aller au Vectoria et chez Annette, donc c'est parti. Donc voilà les amis, petit menu Halloween, regardez comme d'habitude 17 euros. Donc on a bien sûr le menu burger petit rond maudit, donc bien sûr avec des frites et une boisson. Alors moi j'ai pris en plus les amis le dessert des 30 ans, il n'y a pas de dessert Halloween et il y avait encore des desserts 30 ans, donc j'ai pris le dessert 30 ans, donc c'est parti pour la déguste. Donc c'est parti les amis, petit menu Halloween. Alors je vous rappelle que dans le menu Halloween, vous avez bien sûr la boisson qui est juste là. Vous avez le burger et bien sûr les frites. Hein. On rappelle que le dessert est réellement à part. Donc vous avez petit burger avec petit fromage. Alors vous avez de la roquette à l'intérieur, vous inquiétez pas, c'est juste moi qui l'enlève. Vous savez bien que les crudités c'est moins, voilà, non pour moi. Et vous avez bien sûr les frites, donc on va faire bien sûr la dégustation ensemble, donc c'est parti. Bon les amis, c'est parti pour le petit la petite dégustation. Donc bien sûr c'est pas le même burger qu'il y a pour c'est pas d'avoir normalement c'est pas du pain noir qu'il y a dessus. Normalement c'est du pain noir, mais là à mon avis il doit être en rupture, donc ça doit être du pain normal. Bien sûr je vous invite à aller vraiment goûter celui du Lucky Nuggets qui est vraiment excellent. Donc nous on va bien sûr le goûter, on va voir s'il est meilleur que le Kinegas. Vous savez que j'ai des gros problèmes en plus avec ce restaurant là, soit c'est froid, soit c'est congelé. Donc là pour l'instant, depuis que je mange le menu Halloween, pour l'instant ils ont fait un sans faute, donc on y va, c'est parti. Ouais, c'est un sandwich banal, hein, avec un viande, fromage. Bon, je vois que j'ai enlevé à côté la roquette et puis la sauce derrière. Les bonnes frites, faut pas oublier les amis. Bon, pour l'instant c'est bon, c'est pas congé, c'est pas froid, c'est chaud, donc ça va. Donc c'est parti pour le dessert. Bon, c'est parti les amis pour le petit dessert. Alors petit dessert, comme je vous ai dit, je l'ai pris celui de 30 ans. Alors moi il y a un truc qui m'interpelle énormément, je sais pas vous, mais regardez, c'est le petit chocolat blanc qui est juste là, qui est rétréci x2. Je trouve ça un peu dégueulasse. À la base on l'avait vraiment sur tout le corps, la tête de Mickey, j'allais dire le corps de Mickey, la tête de Mickey pardon. Je vous ferai pas la dégustation bien évidemment, car vous le connaissez, vous l'avez déjà fait sur la food des 30 ans. Puis on va voir la conclusion après de ce petit restaurant, donc c'est parti. Donc voilà les amis, on vient tout juste de sortir d'Hyperion. Donc Hyperion bien sûr, alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus pas le dessert compris dedans, vous savez comme une époque, bon ça fait polémique on va dire ça comme ça. Alors le sandwich, enfin le burger était bon, moi je l'ai trouvé vraiment réellement bon pour une fois, comme je vous disais, qu'il n'est pas froid ni congelé, pour moi ça me va réellement. Dommage qu'ils ont pas le dessert 30 ans, bon bah j'ai trouvé ça un peu bof, le petit chocolat blanc qui l'a réellement rétréci. Nous on continue les amis, on va aller faire un petit tour du côté de l'appareil, je vais vous faire quelques petites séquences et ensuite on se retrouvera bien évidemment au Vectoria pour goûter vraiment les petits desserts qu'il y a là-bas, donc c'est parti. C'est parti les amis, on continue, nous allons en direction du Vectoria. Je sais qu'on va aller faire un petit goûter là-bas, en vrai, avec les pâtisseries Halloween. Donc c'est parti les amis, avec la dégustation, je vous montre tout comme d'habitude. Allez, go!
Donc voilà les amis, les petites pâtisseries, petite pâtisserie d'Halloween. Donc là ici nous avons le macaron ganache au chocolat blanc. Nous avons ici, juste à regarder là, nous avons la tartelette au chocolat noir avec son coulis de framboise. Ici, nous avons, regardez comme il est super beau celui-là, le gâteau de velours. Ensuite, nous avons ici, là, regardez juste là, nous avons le chou au craquelin. Voilà, et le dernier qui est là, le petit millefeuille en tête de citrouille. Donc c'est parti pour la dégustation. Donc c'est parti les amis, nous allons goûter tout ça. Et c'est vrai que je vous cache pas que moi j'ai déjà goûté. En vrai, donc je sais très bien que les pâtisseries sont réellement excellents. Je dis pas ça pour faire la pub au parc, mais vraiment vrai pour une fois, les amis, pour une fois qu'ils sont excellents. Donc c'est parti, nous allons faire la goûter tout ça. J'adore, ils sont hyper bons déjà. Tu viens de dévorer un peu. Ah ouais, c'est vraiment excellent. C'est devenu très. C'est vraiment ça, vous avez une couche de framboise, une couche de chocolat, c'est vraiment bon. En vrai. Ça sera coupé. Après le reste c'est quoi? On va goûter au gâteau de velours, donc c'est parti. Avec le mascarpone de myrtille. Ouais, c'est plus un beau chocolat. Ouais. Après, avec une petite crème, c'est ça qui est génial. Elle tac avec le chou pas sûr. On continue avec le chou. Avec le macaron. Ah oui, le macaron. Ganache montée. Donc c'est parti les amis, avec le macaron ganache goûté. Donc c'est parti. Donc t'as un système de macarons, hein. Je vous le cache pas. Très savoureux, j'adore. C'est super bon. Ils ont fait fort cette année parce qu'en général ils sont hyper secs et tout. Là, c'est vrai que cette année, ils sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus savoureux. Moi je vous conseille, c'est un prix par contre de 12€ les 5. Et 7,50€ les combien les 3. Donc quoi. On va goûter le chou maintenant. Le chou en général, pareil, ils sont hyper durs. Mais regardez comment ils sont déjà hyper tendres. Moi j'adore avec leur petite crème au-dessus. Et on attaque bien évidemment le dernier. Vraiment, cette année, ils ont vraiment réussi leur pâtisserie. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Parce que c'est vrai que les autres années, c'était super dur, super sec. Et là, cette année, vraiment, c'est vraiment pas le cas. Donc, je vous conseille aussi de venir victorien pour goûter. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous conseille de venir dès l'ouverture du restaurant pour être sûr que vous avez, entre guillemets, les pâtisseries. Nous, on continue, les amis. On va aller du côté du studio. Bien sûr, Chanette. Avant, on va faire quelques petits tours sur le parc, notamment aller voir le spectacle d'Halloween. Donc, c'est parti. Voilà, les amis, je viens toujours de sortir du Victoria. Bon, c'était vachement pas mal. Vraiment, c'était vachement pas mal. Je vous dis, c'était beaucoup mieux même que de l'année dernière. Donc, je vous le commande. Hein, c'est jusqu'au 5, la saison d'Halloween. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous êtes de passage sur le parc et que vous avez un petit coup de nerf à goûter ces fameux pâtisseries d'Halloween. Nous, on continue, les amis. On va aller directement.
On va aller directement faire le petit spectacle, la parade. On va aller, je vais vous montrer quelques images. On va aller bien sûr vous faire le reste chez Annette ce soir. Donc c'est parti. Et Mickey ! Bonjour les amis ! Merci à tous d'être là ! Je suis très heureux de vous retrouver ! Joyeux Halloween ! C'était aujourd'hui sur la parade d'Halloween, bien évidemment. Là, on va aller directement, les amis, au Annette. Bien évidemment, on va goûter et découvrir ensemble le menu Halloween. Donc, c'est parti. Donc les amis, nous sommes en Annette, donc regardez, nous avons le petit burger chauve-souris à 23€. Donc vous avez donc bien sûr le bœuf charolais, vous avez pas mal de choses, un fromage, on va essayer de goûter tout ça, je vous présenterai. Et regardez derrière, non c'est pas là, juste là, vous avez les cocktails, donc le cocktail diabolique, donc qui est sans alcool, et le breuvage plein, qui est, je pense avec alcool, avec de la bière. Donc nous on va goûter tout ça, donc c'est parti. Donc les amis, c'est parti pour le petit côté avec bien sûr sans alcool. La fête est plus folle. Moi j'ai pris un simple coca avec les amis. C'est mieux avec alcool. C'est bon pays. Bon, c'est parti les amis, petit nectar diabolique, donc à 7,50€. On va le goûter ensemble, bien sûr, je vous dis qu'on allait goûter vraiment tous ensemble. En vrai, il est hyper bon. 7€. Je suis désolé, 7€. En vrai, il est vraiment bon. En vrai, il est vachement bon. Un peu épicé, comme vous pouvez le voir, un peu épicé, mais vraiment bon. On a commandé, comme vous avez vu, le menu Halloween, donc le burger à 23€. Bien sûr, je remonte vers vous dès qu'il arrive, donc c'est parti. C'est un grand, il est très savoureux. On va le goûter. Alors, je vous ferai un topo à la fin du resto. Je vais savourer ça avec les amis. Regardez, vous avez Monsieur Benjamin Blumer qui est là, et puis notre Dorian qui est là. Donc du coup, je vous ferai un petit topo à l'extérieur quand on aura fini réellement de ce que j'ai pensé réellement de ce petit repas et de ce petit burger. Donc je vous dis tout à l'heure. Donc voilà les amis, on vient toujours de sortir de chez Annette. Donc petit repas très sympathique, assez piquant. De toute façon, ceux qui n'aiment pas le piquant, je vous le déconseille parce qu'il était vraiment assez piquant. En tout cas le burger. J'ai trouvé cette journée sympathique. C'est des choses que je peux réellement vous conseiller, que ce soit le burger de ce matin, du début de la vidéo, surtout au Victoria et ici chez Annette. Ils sont hyper sympas cette année, ils ont fait beurre avec une très bonne qualité de nourriture. Pour nous c'est la fin de cette vidéo, vous allez avoir un petit bonus jusqu'après mon intro. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ici au Disney Village. Vous allez voir des choses qui vont être terrifiantes, être tellement peur. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Pensez à vous abonner, c'est très important pour nous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye!
qui arrive juste là sur le côté. Et surtout, si c'est pas encore fait, va t'abonner, c'est très important pour nous. Et surtout, active la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications et être alerté de toutes nos vidéos.